Bonjour, bonsoir, Nabande Konyon, Sobozolanda. Le prophète King M.B. Élisée. Chaque dimanche, Tozali Kole Kapo na Kolobal, de la part de Dieu, émission Nabiso Tozali nommé, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Ndenge Bozomo na Tozali Toche Tem Nabiso. Les hommes de Dieu divorcés ne peuvent pas prêcher la parole de Dieu. Totanga na Matthieu chapitre 19, premier verset, jusqu'au 9e. Na 9e verset, Molingami Yom Tozolandangai, Yesu alobi boye. Mais je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle s'interprète elle-même. Il y a un exemple de Jean chapitre 9, verset 31. Dieu n'exorce pas les pécheurs, mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté, Dieu l'exorce. Ce que vous allez vous dire, c'est que moi, si asali adultère, vous allez vous dire infidélité conjugale. Vous allez vous dire que vous au bali moi si mon soussou au côté à sangomala mon homme de Dieu mais lelo ils a participé mawa surtout na mboka na biso RDC serviteur de Dieu akabwani na moi si moi ça sala d'ilterté a bali moi si a mi balé moi si a sala d'ilterté a boyi moi si wana a bali moi si a misatu mais azan église numériquement bandimi bazali ebelé lelo batuba koma komona Moussal Nanzambe, il faut avoir 10 000 membres, 20 000 membres, 50 000 membres. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Qualité, na quantité et kesseni. Les hommes de Dieu divorcés, sauf en cas de fidélité, ils peuvent prêcher la parole. Mais ceux qui sont divorcés, les femmes n'ont pas commis l'adultère. Oko communiqué nini. La Bible déclare, on ne donne que ce qu'on a. Yozali adultère. Bible lobi na biso que Dieu n'exorce pas les pécheurs. Et les adultères n'hériteront point les royaumes des cieux. Yango na toyé na mission na biso chaque dimanche avec le prophète King M.B. Élisée. Kotalisa bana na nzambe makomi. Koyebisa bana na nzambe na église Yozali. Ozobenga ye papa ya molimo. Il est divorcé. Moi si wana bakabwani na ye asali adultère. Peut-être à cause que moi ça zalaki ndoki. Mais dans son église, il ne délivre pas les sorciers. Mais lelo moi si a komi mabe oyo bobandaki na ye na bomwana. Même na Malachi Bible lobi nzamba yo kakalo sambo ya bato bakabwani na moi si a kibolenge na ye te. Oh peuple de Dieu, mieux vaut pleurer à Dieu que aux hommes. Lelo bandimi bakomi ko banga ba pasteur, ce n'est pas mauvais, il faut respecter ton pasteur. Lelo bandimi ba lingi ba pasteur na bango ko leka nzambe, ça c'est un péché. La Bible déclare celui qui aime sa femme, son mari, son argent, son travail plus que Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, n'est pas digne du royaume. Yozo linga mosali na nzambe ko leka nzambe ndenge nini. Mosali na nzambe nzambe mutabenga ya chai ni langa. Me yozo respecte mosali na nzambe, me makomi na nzambe oza ko respecte ya ngote. Olobinga na kotala makambazo salate, me non. Bien aimé, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mosali na nzambe, oya divorce, moi si asali eko bote, bima neglize wana. Mokolo ya suka, boko kuta na nalifelo. Linga ozala na église oyo pasteur aza fidèle na nzambe azali fidèle na mwasi na ye pasteur oyo azali ko suyer li conjugal na ete pasteur oyo azali ko bimana bandimité même na bandimi mosusu bazali basi ya mabala mais non mes frères et sœurs bientôt Jésus revient la Bible déclare cherchons la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu.
Bien-aimés, ce n'est que les sanctifiés qui seront enlevés. Tant que trompette et kobeta. Mais yoza na kat l'église. Pasteur a divorcé mbala liboso. A bengani mwasi. A divorcé mbala mi balé. A divorcé mbala mi satu. Oh bien-aimé, totanga na mokanda na Romains chapitre 7 verset 3. Bible le bina biso. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Yozo bala mwasi aza divorcé. Maman, mobali na yo a bengani yote. Okimi mobali po na problème moko boye. Mobali pa sali adultère te. Okimi mobali. Okeye pa mosusu. Oke obali babali yo na yo na moto abali yo bosali adultère. Et les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Toyena 1 Corinthiens, toza la 4 la Bible, la parole de Dieu elle s'interprète elle-même. L'apôtre Paul, na Matthieu, c'était l'apôtre Matthieu. Mais awa tomoni apôtre Paul, na 1 Corinthiens chapitre 7, na 10e, na 11e verset. Apôtre Paul, na apôtre Matthieu, bazalaki ba serviteurs ya Christ. Ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Bible le dit à ceux qui sont mariés. J'ordonne. Non pas moi. Il a précisé l'apôtre Paul. Mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Maman, okoboya mobali pombo, azasuna mbongo te. Okoboya mobali po akota ki prison, a oumeli, po akomi na chaise roulante. Balobi na bisona, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, que le mari ne répudie point sa femme. Alors, un homme de Dieu, divorcé, moi si à salé kobote, à kobote à sango malamute, à zali ko communique batu et kobo, à zali ko salabo soto, soyez saints comme notre Dieu est saint. Molingami katina Yesu. Les hommes de Dieu divorcés ne doivent pas prêcher la parole de Dieu. Les hommes de Dieu divorcés, si la femme avait commis l'adultère, au kabona ki naye, au ko se remarié. Mais si la femme n'avait pas commis l'adultère, yo boyi mama bana. Oke ko bala mwa si mosusu. Oh, mieux vaut plaire à Dieu que aux hommes. Émission Abisso, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Molinga mitala na Matthieu 19, 1 à 9. C'est l'apôtre Matthieu qui parle. Tala na Romains chapitre 7, premier verset jusqu'au troisième. C'est l'apôtre Paul qui parle. 1 Corinthiens 7, 10 à 11. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers les hommes de Dieu. Molinga mi, ata yope osa serviteurs de Dieu te, osa chrétiens. Bokabwani na yo na mobali na yo ezamabe. L'amour supporte tout. Molingami, là où il y a l'amour, il y a le pardon. Mais yo boyi mama bana, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, oboyi mwasi na ndako, obali mwasi mosusu. Okokota lola te, tiyeza na dilte. Okokota lola te, c'est la parole qui déclare. Ce n'est pas moi le prophète King M.B. Élisée. Dieu a dit dans sa parole qu'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Natango na mose, tomoni yango, alobi à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a prescrit. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Mais le lot, comme on a pasteur, nous sommes pas comme la moisi lettre à divorce. Es-tu sous la loi? Ou es-tu sous la grâce? Bana na nzambe bo sosola. Bana na nzambe bo banga nzambe. Esther sendula nzambe nanga pambola yo ma fille. Bo vanda na mwana nanga malamu oya bala yo na mbongo. Bola nzongo. Nzambe pambola bino bandeko nanga kati na Yesu. Bino pe bo vandi na union libre. Bo balanite. Bo kende ko régulariser mariage.
Oye bozo sa les ali impudicité. Les impudiques, ainsi que les adultères, les fornicateurs, n'hériteront pas les royaumes. Molingami, chaque dimanche, tozali ko le kapo na ko lendi sabana na nzambe. Église, eza nombre ya batute. Église, eza li communion na yo na nzambe. Lelo, ezo sa la pasi, pasteur asali ekobo, baza ko encourager ye. Mwana na nzamba bungi nzela, bazali ko encourager ye, balobi tozangi bolingo. Non, la Bible déclare, ôtez les méchants du milieu de vous. C'est la parole de Dieu. Les hommes de Dieu divorcés ne doivent pas prêcher la parole de Dieu. Zongela mwasi na ye akala. Bobongisa na ye. Mais ce qui yo lobite na ko bongisa na ye te, tango kelele ko beta. Okokutana na ba non chrétien na lifelo. C'était l'homme de Dieu, le prophète King M.B. Élisée, sentinelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, t'okoutana dimanche oikoya. Shalom.